Donc on a fait une petite composition. Bon, c'était l'occasion de voir la vectorisation d'images en couleur, d'images simples en couleur, hein, qui étaient déjà en aplat. Mais si j'ai fait ça, c'est aussi pour aller plus loin. On a un motif qui est utilisé sur les différentes tortues chez moi et sur le texte. Si je veux voir rapidement ce que ça donne avec un autre motif, mais ça va être assez facile. Il va falloir que je fasse du remplacement de motif. On est bien d'accord, chez moi, c'est celui-là qui est utilisé actuellement par les tortues. Bon. Et alors si je fais ça, par exemple, je veux voir ce que ça va donner avec ce motif-là. Eh bien, je vais le déplacer sur le document. J'ai intérêt à dupliquer quand même mon motif ici. Waouh! Attention, il faut cliquer à côté. Il ne faut pas qu'il soit activé au moment où je vais dupliquer celui-là. Vous devez simplement l'activer et cliquer sur le bloc de feuille. Ça fait une copie. Voilà. On est bien d'accord, c'est celui de gauche qui est utilisé par mes tortues. Si je prends maintenant le motif que j'ai déplacé là et que je le mets sur le motif ici en enfonçant la touche Alt, vous voyez qu'il est encadré. Je lâche le bouton à souris, il est remplacé sur toutes les tortues et sur le texte, on voit ce que ça donne. Donc ça vous permet, quand vous avez utilisé un motif dans une illustration, ça vous permet de faire rapidement des tests. Donc ceci, j'en ai plus besoin, je l'efface. Je vais déplacer n'importe quel motif, même un motif qui fait partie de la bibliothèque Héritage décoratif. Voilà, lequel m'intéresse. Ok, je vais voir ce que ça donne avec ça. Je le déplace. Je vais, en enfonçant la touche Alt, remplacer celui-là qui est utilisé par mes tortues. Et je vois ce que ça donne dans toute l'illustration. Ça, c'est bien pratique. Supprimez ça. Sinon, vous êtes obligé de sélectionner chaque objet qui utilise le motif et pour pouvoir en réappliquer un autre. Donc, cette histoire de mettre à jour le motif, c'est pas mal, quoi. Je vais utiliser celui-là. Je le déplace avec la touche Alt. Et voilà ce que ça donne. Ah oui, et si je veux changer quelque chose, comme la couleur par exemple. Voilà, je me dis qu'à la place du bleu, ce sera mis en rose. Ok. Je le déplace avec la touche Alt. Et voilà. Donc c'est très sympa ça, de pouvoir modifier les choses comme ça. Est-ce que c'est clair pour vous, cette histoire de mise à jour de motifs qui est utilisée ?